Bonjour tout le monde, c'est Gretwan et bienvenue au YouTube's Royal Rumble numéro 3 sur 8. N'hésitez pas à proposer vos superstars très rapidement, hein, ça part très vite. Que dois-je dire? Donc chaque vainqueur, il y en aura 8 en tout, hein, chaque vainqueur ira dans le King of the Rumble pour déterminer qui sera le King et pourra peut-être choisir un match, je pense. Les règles du match sont que toutes les superstars doivent être éliminées en étant balancées par-dessus la troisième corde et touchant les deux pieds au sol. Une superstar arrive toutes les minutes, minute 30, mais c'est un peu moins que ça. Et la dernière superstar qui est sur le ring sera déclarée le superstar vainqueur du Royal Rumble. Et on nous montre WrestleMania, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et on va accueillir, je contrôle une superstar au hasard qui arrive dans les 10 premiers et je ne sais pas qui c'est qui rentre en premier et deuxième. Oh, quelqu'un du Shield. Lequel? Qui vient du Shield? C'est pas Reigns. C'est un des deux autres. Ah bah c'est Reigns. Ok, donc je me suis foiré. Ok. Bon bah c'est Roman Reigns qui commence en premier. Désolé pour celui qui avait le choisir. C'est... Mais imaginez, il reste jusqu'à la fin. Imaginez. Bon, c'est l'IA, d'accord. Faut pas croire non plus. En tout cas, c'est Roman Reigns qui arrive en première position. Roman Reigns. Je pensais que ça allait pas être lui parce que ça mettait un peu trop de temps. D'habitude, c'est assez rapide pour le montrer, en fait, comparé à Seth Rollins ou Dean Ambrose, où on attend un peu plus longtemps. Mais en fait, non, je me suis gouré, c'est tout. Hein. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc voilà, Roman Reigns qui arrive en première position. Un gros prétendant pour les Royal Rumble. Hein. Qui ne sait pas qui gagnera le prochain, en vrai. voilà. Et qui est-ce qui va arriver numéro 2 face justement à ce molosse? Qui donc? Qui aura la chance ou la malchance? Alors forcément, le destin fait que la musique est normale que, si vous la connaissez pas. Mais si c'est le personnage, c'est le Seth Rollins du futur. Ce qui veut dire que hein, c'est des petites retrouvailles. Seth Rollins face à Roman Reigns pour commencer un Rumble, je pense que ça peut envoyer. Hein. Mais bon, parce que je pense que Roman Reigns doit toujours se venger non, de Seth Rollins, j'en sais rien. En même temps, la WWE, les histoires, ça s'abandonne comme ça, c'est cadeau. C'est... Tout comme on offre des matchs de championnat comme ça à certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom. En tout cas, là, voilà, Seth Rollins, ouais, gros début de match, hein. Là, ça va être compliqué. Et non, je ne contrôle aucun des deux, je précise. C'est pas eux. Le mien arrive en... Je ne sais plus quelle position, d'ailleurs. Mais je vais pas dire tout de suite qui c'est. Seth Rollins. Mais voilà. Ok. On est parti pour ce Rumble numéro 3. Je vais boire un coup, par contre. Ok, on est parti. Seth Rollins face à Roman Reigns. Et Rollins qui envoie directement Reigns dans le coin. Ouais, mais Reigns qui revient. Coup de genou. Histoire de faire comprendre qui c'est le patron. La droite. Droite dans l'abdomen. Encore une. Il ouvre la main quand il met des droites. Coup de pied. On relève le futur. La WWE. Oh, STO. STO. Histoire de... Hein. Voilà. Qui c'est le patron. Merde. La droite. Ah non, esquivé. Coup de pied de Seth Rollins. La droite. Le futur. Qui revient. Attention, une nouvelle superstar qui va arriver. Seth Rollins qui envoie Roman Reigns encore dans le coin. Oh, The Bulgarian Brute, Rusev. Le voilà. Et shoulder block, et regardez, Rusev s'attaque à Roman Reigns. La souplex portée avec autorité, mais Rollins est là aussi. Rollins qui en profite d'ailleurs. Quel back souplex sur Roman Reigns. Attention, Northern Light souplex. Pied de Seth Rollins, la droite, les ex-membres du Shield qui s'attaquent toujours l'un contre l'autre, et Rusev qui a essayé d'éliminer justement Seth Rollins avec l'aide de Roman Reigns. Je ne contrôle rien pour l'instant, je le précise évidemment. Et Seth Rollins qui tient bien quand même, hein. Une nouvelle superstar qui arrive déjà. Rusev et Seth Rollins face à Roman Reigns, double cutbuster. Oh, c'est le People's Champion The Rock. Forcément, il y a Rusev dans le ring. Hein. Le hasard fait que... Pied. Ah non, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas.
Rusev qui relève Seth Rollins. The Rock face à Roman Reigns. C'est une famille. Oh! Et la belly to belly overhead suplex sur Seth Rollins. Seth Rollins, il est tombé sur un gros morceau là. Qu'est-ce que le dire? Et on envoie Rollins par-dessus la troisième corde. Attention, Electric Chair en background. Oh, attention. Alors, attention, Rollins. Shoulder block. Heureusement, il revient. À droite. Oh, et regardez Roman Reigns qui a failli se faire éliminer là. Il va peut-être tomber Roman Reigns. Pas la faute du Rock. Et dans Rock élimine Roman Reigns. Et c'est Eric Rowan qui arrive. Et c'est celui que je contrôle. Choisi au hasard, forcément. Roman Reigns éliminé par The Rock. Attention, Seth Rollins. Voilà, Eric Rowan. Seth Rollins, shoulder block. Ouf, le Rock qui n'a rien touché. Attention, back suplex sur Eric Rowan. Et Seth Rollins, il pourrait se faire éliminer là-dessus. C'est esquivé. Coup de pied. Rowan s'attaque à The Rock. Atemi, la droite. Oh, il s'est fait... oh, la claque. La claque sur Eric Rowan. La droite. Oh, encore une. Attention, il est dans les cordes. Attention tout de même. Et Rusev qui n'a pas réussi, toujours pas, à éliminer Seth Rollins. Et le Running DDT. Et Rusev qui s'acharne toujours sur Seth Rollins. Et l'enfourchement sur The Rock. Oh, the game is here. The game Triple H. J'adore sa musique un peu badass comme ça. Oh, et Rusev qui s'est fait surprendre par Seth Rollins. Et ça pourrait être fini pour Rusev. Par la faute de Seth Rollins. Coup de pied. Ah, non, c'est Triple H. S'attaque à Eric Rowan. Et toujours Rollins-Rusev. Hein, c'est vraiment ça le duo. DDT sur Eric Rowan. Dans Rock et Rusev qui vont essayer d'éliminer Seth Rollins. Et Triple H s'attaque à Eric Rowan. Toujours. Attention Rollins, il tient de moins en moins. Il a failli se faire éliminer Rowan. Rollins éliminé. Et Rusev s'attaque maintenant à The Rock. Oh, The Heartbreak Kid Shawn Michaels. Rowan toujours de l'autre côté des cordes. Shawn Michaels qui arrive en tenue Street Fight. Shoulder block encore. Reverse Atomic Drop de la part du Rock. Et là c'est Shawn Michaels face à Triple H. C'est des rivalités qui reviennent. The Rock face à Shawn Michaels, j'aurais bien voulu voir ça en vrai. Oh, I rake. Oh, là, c'est un peu l'orgie. Russian leg sweep sur Shawn Michaels. C'est Rusev qui se retrouve à l'extérieur du ring. Enfin, à l'extérieur des cordes. Et la back suplex sur Shawn Michaels. Et le big boot sur The Rock. Et Rusev qui n'est toujours pas éliminé. Coude. Et le scoop slam. Oh, sur Rusev en plus. J'apprécie. Et le Celtic Warrior, Sheamus qui arrive. Il y a du bon monde toujours. Hein. Scoop slam bien porté de la part de Rick Rowan. Ouais, là, c'est un petit peu l'orgie. Là, il y a du monde partout. Et tu veux parler face à The Rock, une vieille rivalité qui reprend. Shawn Michaels. Atemi sur Rick Rowan qui le met au sol. Coup de pied. Et The Rock qui commence à faiblir. The Rock qui commence à faiblir. The Rock éliminé par Triple H. DDT sur Eric Rowan. Pied. Et Sheamus qui en profite. Back suplex. Shawn Michaels qui envoie Rowan qui s'est fait surprendre. Rowan éliminé. Non, il est encore là. Il est encore là, le membre de la Wyatt Family. Shawn Michaels dans le coin. Mais Sheamus est là. Back suplex. Rusev qui pourrait se faire éliminer par Triple H. Ouais, Rusev qui tient plus. Il tient plus Rusev. The game, the king of kings. Oh, reverse DDT là, sur Eric Rowan. Attention. Et voilà, Rusev éliminé. Il a bien tenu quand même, hein, parce que le nombre de fois qu'il a fait se faire éliminer. Coup de coude d'Eric Rowan. Coup d'acteur d'anage. Et Triple H qui envoie Sheamus dans le coin. Et le Spinebuster sur Shawn Michaels. Et encore une back suplex sur Eric Rowan. Et une nouvelle superstar qui va arriver. Oh, attention, Sheamus encore. Mais Triple H, il est énervé aujourd'hui. Il a éliminé au moins 2-3 personnes là. 3 avec Sheamus.
Et voilà, Sheamus éliminé, je le savais. Reverse DDT. Et c'est Luke Harper qui arrive et qui attaque Eric Rowan. Donc dommage, il n'y a pas la notion d'équipe toujours pas dans le Rumble. C'est beaucoup demandé ça d'ailleurs. Luke Harper qui envoie Rowan. Oh, le Big Boot. Et Shawn Michaels face à... Ouf, back suplex. Face à Triple H. Eric Rowan face à Luke Harper. Et des coups de tête. HBK qui va essayer d'éliminer Triple H. Tandis que c'est, là, c'est une bataille de frères de l'autre côté. Bah, même d'un sens du côté de Michael, c'est Triple H aussi. Un peu comme des frères. La corde à linge. Oh, attention, Triple H. Le coup de genou éliminé. C'est Randy Orton qu'on accueille. Le Randy Orton actuel. DDT sur Eric Rowan. Et l'outez presse de Randy Orton qui saute directement sur Shawn Michaels, The Legend Killer. Elle est toujours là. La droite de Randy Orton, il compte tout le monde. Regardez-moi ça. Ouais, coup de coude. Attention, Luke Harper. Ah, je voulais faire la Wyatt Family, mais non. Non, d'accord, c'est un petit peu chiant, ça. Le Swinging Neck Breaker et Luke Harper qui pourrait se faire éliminer par Randy Orton si jamais il lâche prise. On relève Eric Rowan qui est envoyé dans les cordes, mais pour ne rien donner. La droite sur Shawn Michaels. La droite. Oh, l'Undertaker. On a dépassé la dizaine de... Oh, attention, Eric Rowan. Et le dropkick. Shawn Michaels qui élimine Eric Rowan. Shawn Michaels est là depuis plus longtemps, je crois. Oui, c'est ça même. Et il a l'expérience des Rumbles. Donc il en a déjà gagné un, YouTube Royal Rumble. Il a gagné le premier, je crois, de mémoire. Donc je pense que c'est un des persos à prendre en cas de Rumble. Luke Harper face à l'Undertaker. Parlant de ça, j'aimerais bien voir Bray Wyatt face à l'Undertaker, WrestleMania. Le mélange des deux gimmicks pourrait rendre excellemment bien. Surtout avec la capacité au micro de Bray Wyatt exceptionnelle. Et l'Undertaker qui n'est même pas éliminé. Une nouvelle superstar qui arrive. Oh, et c'est Seth Rollins de la part du Shield. Regardez Randy Orton sur Shawn Michaels. Oui, il y a eu un petit ralentissement. Le Spike et DDT. Et Seth Rollins. Le DDT sur Randy Orton qui était à genoux. Oh, le saut carpé de Shawn Michaels. Saut carpé de Shawn Michaels. Fait bizarre de voir Seth Rollins en mode Shield. Hein. Je sais pas pour vous, mais... l'habitude. Attention, Seth Rollins. Oh, même pas. Ça, non, ça n'a pas touché. Randy Orton est dans le coin. Oh, le genou. Pied. Harper qui a essayé d'éliminer Randy Orton. Oh, la droite de Shawn Michaels. Et Rollins qui se retrouve dans le coin. Et Shawn Michaels qui fait le show. Rollins qui se retrouve déséquilibré. Randy Orton. Ah, il y a Shawn Michaels qui empêche l'Undertaker. Et on accueille Dean Ambrose. Je l'avais dit, le hasard à chaque fois. Le hasard. Dean Ambrose de maintenant. Mais Rollins est envoyé par-dessus la troisième corde. Attention. Randy Orton face à Luke Harper. Ambrose face à l'Undertaker. Michaels face à Rollins. Au claqueur de linge. Luke Harper éliminé. Harper vient de se faire éliminer par Randy Orton. Qui est arrivé avec la furie dans le sang. Attention, le Swinging Neck Breaker. Dean Ambrose qui a failli se faire éliminer d'un coup là. Il est encore en danger. Hein. Il est encore en danger par Randy Orton. Randy Orton est là, clairement là. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pour aller directement vers Dean Ambrose. Shawn Michaels qui envoie l'Undertaker. Ouh, le high calf kick qui n'a pas touché Shawn Michaels qui pourrait éliminer l'Undertaker et le coup de pied dans le bras de Seth Rollins. Non, finalement l'Undertaker revient. Dean Ambrose qui se fait contrer. Attention, le Swinging Neck Breaker. Et Dean Ambrose qui se relève. Eh, Shawn Michaels éliminé, j'ai pas vu, mais oui. Éliminé Michaels. Oh, attention, Seth Rollins. Il pourrait se faire éliminer là-dessus. Et là, c'est Randy Orton face à l'Undertaker. L'Undertaker qui l'a chopé. Et c'est Dean Ambrose encore qui arrive. Shark Slam. Regardez-moi ça. De Dean Ambrose. Là, on se demande. Et là, back suplex d'Ambrose sur Ambrose.
Et Rollins, le swinging neck breaker sur son acolyte du Shield. Lutes Press de Randy Orton et des droites sur Seth Rollins. Undertaker, attention encore, une back suplex de Ambrose sur Ambrose. Bizarre de dire comme ça, je sais. On voit Randy Orton dans le coin. Seth Rollins. Attention Rollins. Le turnbuckle. Powerbomb. L'Undertaker qui s'est relevé aussi sec. Oh la droite. Et attention l'Undertaker. Attention Undertaker. Les deux membres du Shield. Rollins et Ambrose. Ils vont essayer de t'éliminer mon gars. Ils vont essayer de t'éliminer. Et je pense que ça va passer. Tandis que l'autre Ambrose pourrait être éliminé. L'Undertaker est encore là. L'Undertaker est toujours là. Oh oui. The people. Jack Swagger arrive. Ouh, middle kick qui n'était pas passé. Belly to belly, suplex sur Seth Rollins. Gut wrench, suplex sur Randy Orton. Et Ambrose qui essaie d'éliminer Dean Ambrose. Ça c'est bon, voilà. Undertaker, regardez sur Seth Rollins. Au fond de l'écran, Tombstone Piledriver. Et Dean Ambrose qui va essayer d'éliminer son lui-même du passé. Rollins qui envoie l'Undertaker dans les cordes. Et le Running DDT, oh, cette attaque. Oui, Randy Orton qui fait se faire éliminer là par contre. Et Randy Orton éliminé par Jack Swagger. Coup de coude de Undertaker. J'ai pas compris là. Jack Swagger. Attention, qu'est-ce qui se passait là? Swinging Neckbreaker. Et le Reverse DDT sur l'Undertaker. Attention, et reverse, DDT sur Dean Ambrose. Jack Swagger, ce coup-ci, qui essaie d'éliminer le Dean Ambrose du Shield. Au, qu'est-ce qui se passe? Attention, oh. Dean Ambrose, une suplex sur The All American. Jack Swagger. Relève Dean Ambrose. Et le swinging leg, oh, attention, regardez, ouf. Reverse DDT. Quel Dean Ambrose hein, qui est explosif à chaque fois. Attention, swinging neckbreaker, une nouvelle superstar qui arrive. Et c'est The Champ. Il est John Cena. Jack Swagger, Jack Swagger, coup de genou de l'Undertaker qui élimine et Jack Swagger. Toujours Dean Ambrose face à Dean Ambrose. Et regardez Seth Rollins sur l'Undertaker. John Cena face à Dean Ambrose. Et le temps de battle. Powerbomb. Histoire de faire comprendre qui c'est le patron. Et regardez Seth Rollins. Curb stomp sur l'Undertaker. Ouf. Et là c'est Ambrose face à Rollins. Rollins qui contre. Jawbreaker. Et on envoie Dean Ambrose par-dessus la troisième corde. S'y fait Rollins. Ah, j'ai pas pu. Et là, c'est l'Undertaker qui s'attaque maintenant à Seth Rollins. Il est passé, mais il n'est pas éliminé. Dean Ambrose et l'Undertaker qui va essayer d'éliminer Seth Rollins. Tout comme Dean Ambrose essaie d'éliminer John Cena. Comment fait-il? Il y a deux endroits à la fois. Attention. Et c'est John Cena qui se rattrape très mal, mais il a réussi à revenir quand même. Bien V. Oh, calf kick. Dean Ambrose. Regarde Dean Ambrose, coup de genou. Coup de genou. Et Seth Rollins qui en profite probablement. Non même pas, je ne sais pas. Voilà. La corde à linge. Dean Ambrose éliminé par Seth Rollins. John Cena qui essaie d'éliminer l'Undertaker et Kane qui arrive. On a dépassé la moitié du Rumble. Le calf kick sur Kane. John Cena envoie l'Undertaker dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Ah oula, c'était un petit peu l'orgie là, de ce côté-là. Kane qui relève Seth Rollins, la back suplex sur John Cena. Et le running DDT. Ouf. Presque dans l'entrejambe de John Cena carrément. Et le middle kick sur l'Undertaker. Oh. Undertaker dans le coin, on l'envoie dans l'autre coin. Fang elbow. John Cena face à Kane. Et Kane qui revient. Kane qui prend l'avantage sur John Cena. Undertaker qui a mis Seth Rollins dans le coin. Toujours John Cena face à Kane, nouvelle superstar qui arrive. On va passer à un nombre impair de superstars. RVD, The Hall
fucking show, Mr. Monday Night, Rob Van Dam. Oh, regardez, on envoie Kane dans l'Undertaker. C'est criminel. Cena dans le coin. Non, c'est pas passé du tout. Oh, la droite. Vandam a rejoint tout le monde. Oula, c'est un petit peu le cafouillage des fois. Armbreak, pardon. Kane dans le coin et l'Undertaker qui envoie Rob Van Dam de l'autre côté des cordes. Sur cette Morlitz, coup de pied. Magnifique. Et Kane coup de genou dans cette Morlitz. Morlitz en profite qui envoie Kane dans le coin. Et Rey Mysterio qui va arriver. Bon, attention, Rollins qui a failli se faire éliminer par Kane. Et le shoulder block de Rob Van Dam. L'Undertaker est là depuis combien de temps, franchement? Je ne sais pas. Et il repousse cette fois, regardez. Rob Van Dam, la cadrana. Bien exécuté. Kane qui essaie d'éliminer John Cena, il va peut-être y arriver. Il pousse John Cena éliminé par Kane. Et Rollins encore failli être éliminé. Encore failli, hein. Rollins. Non, il s'est rattrapé. Par contre, Mysterio, il va falloir qu'il se rattrape, lui. Il s'est rattrapé. Surpassement sur cette Morlins. On envoie l'Undertaker par-dessus les troisième corde. Et Kane et l'Undertaker sont en danger. L'Undertaker éliminé. Oh, et Rey Mysterio qui s'est fait encore surprendre par cette Morlins. Ah, j'avais pas pu faire de prise. Bon, bah écoutez. Rollins, on met Mysterio au sol et le kick. Kane qui essaie d'éliminer Rob Van Dam. Tandis que Rey Mysterio face à cette Rollins d'un côté, Rob Van Dam n'est pas éliminé. Backbreaker et neckbreaker. Et la descente du genou sur Rey Mysterio. Springboard, trouve pas dit mais ça... Et revient encore hein, Rob Van Dam, il est là, il est clairement là. The Miz qui arrive. Seth Rollins. Oh, Rob Van Dam là par contre. La souplex sur Seth Rollins. Et le Tilderwell Backbreaker. Quel match quand même. Quel match. Rob Van Dam tient bon face à Kane. Et Miz est là maintenant pour l'aider. Et attention, Seth Rollins. Je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'il fait ça. Mais le Turnbuckle Powerbomb sur Rey Mysterio. La German Suplex. Mais c'est quoi cette German Suplex? Qu'est-ce que c'est que cette German Suplex? Le middle kick. Rob Van Dam est envoyé. Tout comme Kane. Et regardez, le drop kick. Kane éliminé. Rob Van Dam doit remercier Seth Rollins. Oh, attention, Seth Rollins qui est dans le coin. Et c'est Dolph Ziggler qui arrive dans le ring. Enfin, qui va arriver. Rey Mysterio face à The Miz. Seth Rollins est toujours là. Attention. Magnifique. Et la back suplex de Rob Van Dam. Ah, il est fatigué, Rob Van Dam, par contre. Seth Rollins qui l'a relevé. Dolph Ziggler qui l'a relevé. Ziggler qui est envoyé par-dessus la troisième corde. Rollins qui peine. Rey Mysterio face à The Miz, toujours. Et Rollins qui arrive. Magnifique. Half back breaker. Regardez Dolph Ziggler qui revient à la manière d'un Tito Santana. Attention, le dropkick n'a rien touché du tout. Rey Mysterio face à Dolph Ziggler. Le Miz qui envoie Rob Van Dam dans le coin. Il peut essayer d'éliminer justement. Et la souplex sur Rey Mysterio. Coup de genou. Jericho qui arrive maintenant. 22. Il reste 8 places. La droite sur Mysterio. Oh. Jericho qui arrivait directement sur Rey Mysterio quoi. Et le Miz éliminé par Rob Van Dam. Dolph Ziggler, la souplex sur Seth Rollins qui est là depuis moult temps. Et pourtant je contre pas tout hein. Je joue normalement. Ouais, Chris Jericho qui fait comme Dolph Ziggler tout à l'heure. Attention. Oh, jumping DDT sur Seth Rollins. Rey Mysterio et Rob Van Dam près des cordes.
On envoie Rey Mysterio par-dessus la troisième corde. Il est mal, très mal, très très mal, voire trop mal placé à mon avis. Rey Mysterio éliminé. DDT encore sur Seth Rollins. Drop Van Damme est là aussi depuis un bon moment. Et d'ailleurs, en parlant de Drop Van Damme, il envoie Seth Rollins dans le coin. Attention, le coup de la corde à linge, j'en parlais, 7 points éliminés. Et le jumping DDT sur Chris Jericho. Là, c'est Rob Van Damme, hein, celui qui est là depuis longtemps, et des coups de pied, des kicks dans les jambes de Chris Jericho. C'est Rob Van Damme et Dolph Ziggler face à Chris Jericho. On relève Y2J, nouvelle superstar qui arrive. Oh! Oh! The Stinger! The Stinger has arrived dans le Royal Rumble, le nombre 23. Le Stinger coule la corde à linge sur Dolph Ziggler et la descente du coude. Avec cette belle musique. Le Stinger, coup de coude. Il s'est fait un petit peu contrer. Attention au Stinger, envoyé de l'autre côté des cordes. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Super kick, Sting éliminé. Je précise que c'est extrêmement difficile dans cet opus-là, attention le double backbreaker, d'esquiver les finishers Royal Rumble. C'est extrêmement difficile, je sais même pas si c'est possible, je me rappelle pas en avoir esquivé un. Oh, et on accueille Randy Orton, The Legend Killer, avec la musique de l'évolution. Attention, Randy Orton, scoop slam. Et là, descente de l'avant-bras. Donc désolé, je me rappelle que c'était toi, Marius, qui avait choisi Sting. Et ouais, désolé, il n'a pas resté longtemps par la faute de Dolph Ziggler avec son finisher. On relève Randy Orton. DDT s'est esquivé. Chris Jericho face à Rob Van Damme. Oh, magnifique ce flying elbow. Attention, Randy Orton, le neckbreaker. Springboard Crossbody, wow, mais c'est l'orgie. Et le Big Show. Il n'en reste plus que 5 à arriver. Si votre superstar n'est pas encore entré, c'est le moment de croiser les doigts. Et si elle est dans le ring, il faut encore plus croiser les doigts. Le coup de pied s'est esquivé. Dropkick de Randy Orton. Randy Orton, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Chris Jericho, regardez sur le bord droit. RKO! Et ils ont même mis l'ancienne RKO. L'RKO qui a fait saigner Chris Jericho et Rob Van Damme éliminé par le Big Show. Et Dolph Ziggler, mais Randy Orton qui s'est fait contrer par Jericho. Même s'il a mis un RKO, ça l'a pas mis KO finalement. Attention, Dolph Ziggler qui essaie d'éliminer le Big Show. Oh, The Beast has arrived! Brock Lesnar, attention! Super kick et le Big Show éliminé! Mais Dolph Ziggler est clairement là! Dolph Ziggler est clairement là. Il n'y a pas à dire. Dolph Ziggler est là. Attention. Chris Jericho éliminé. Dommage pour lui. Et voilà, Dolph Ziggler éliminé par Brock Lesnar. Et regardez Randy Orton. Reverse DDT. Forcément. Ils n'en sont plus que deux, mais il y a eu un ménage de fait. C'est pas possible. Randy Orton qui prend l'élan. Coup de la corde à linge. Quel coup de la corde à linge. C'est vrai que... il a bien pris d'élan là, face à Brock Lesnar. Attention. Attention, le playmaker. Playmaker. Et Randy Orton qui attend Brock Lesnar. Est-ce qu'une nouvelle superstar va arriver? Et attention, non. Un deuxième RKO. RKO sur Brock Lesnar. Oh, et l'animal Batista qui arrive maintenant. Et est-ce que l'évolution est là? Oh, l'évolution doit être là. Coup d'arcœur d'allage. Oh, et Randy Orton qui assomme directement après Brock Lesnar, c'est vraiment du 2 contre 1, j'ai l'impression. Et Batista qui arrive, voilà l'évolution, regardez-moi ça. L'évolution travaille sur Brock Lesnar, qui vient de se prendre un RKO, je précise. On envoie Batista dans les cordes. Mais Randy Orton est là. On envoie dans les cordes et le surpassement. Coup de pied. Ah, c'est du 2 contre 1, qui va arriver peut-être pour sauver Brock Lesnar? On ne sait pas, hein. Lesnar qui est envoyé par-dessus la troisième corde. Ouais, c'est dangereux, il s'est déjà pris un RKO. Il pourrait se faire éliminer là-dessus. Oh, le sauveur. Est-ce que c'est lui le sauveur? Santino Marella. Regardez, Batista qui rigole.
Il arrive. Oh, attention, coup de pied, non, front face lock, on a mis Batista au sol, et c'est Santino Marella qui arrive face à l'Evolution. Santino Marella qui la remet, la droite, oh le coup de coude, coup de la corde à nage. Coup de pied, l'Evolution complète le ring là, hein. C'est, il n'y a pas à dire, regardez encore une fois, et Brock Lesnar s'est fait éliminer. Hein. Attention, double DDT sur Santino Marella. La droite, attention Batista qui s'attaque à Randy Orton. L'Evolution c'est terminé. Coup la corde à linge sur Batista. Et Randy Orton qui se pavane un petit peu toujours, hein. C'est peut-être son erreur. STO. Oh, the best in the world, CM Punk backbreaker sur Batista. CM Punk arrive. Et il s'est fait choper par Randy Orton, le playmaker. Alors c'est pas le vrai nom de cette prise, Playmaker c'était le nom qu'avait MVP, vu que c'était son finisher, mais le vrai nom je ne sais plus. Ouf, CM Punk est arrivé très fortement dans le coin. Anderton qui envoie Santino Marella, la manchette. Je ne sais plus combien de superstars il reste, au moins une qui à venir. Ouf, CM Punk est renvoyé. Mais une ou deux, descend du genou sur Santino. Batista. Ouh. Oh, the Eater of Worlds. Back suplex sur Randy Orton. Et Santino Marella qui serait capable d'éliminer CM Punk. La droite, je crois que c'est des derniers, hein, j'ai pas fait gaffe. Ouh, le crossbody. Je crois que c'est le numéro 30. Hein. Donc Bray Wyatt est le dernier. Les 6 derniers sont là. Si votre superstar est. Les 5 derniers, pardon. Si votre superstar est dans les. Dans ceux-là. Essayez de prier. La droite. Oh, attention. Bray Wyatt est encore là. Et le crossbody encore une fois sur Randy Orton. Santino Marella qui est passé de l'autre côté des cordes. Et l'Evolution qui a tenté d'éliminer Santino Marella. Malheureusement pour lui, je pense que c'est fini. La droite de Batista. Attention, RKO. J'adore les RKO out of nowhere de Randy Orton de toute façon. RKO sur Batista et là, oh la snap suplex. Batista à mon avis s'est fait un petit peu surprendre par les RKO. Et il tient l'animal. Il tient bon quand même. Il revient, mais il est clairement là l'animal. Il est clairement là. On va voir Randy Orton. Oula. Randy Orton est passé. Randy Orton, il va se faire éliminer par Batista, son ex-compagnon. Non, il n'est pas éliminé par contre Bray Wyatt, c'est possible lui. Oh, Batista, le backbreaker sur Randy Orton. Coup de pied, Bray Wyatt est dans un mauvais état là. Oh, et le Spinebuster sur Randy Orton. CM Punk qui envoie Bray Wyatt de l'autre côté des cordes. Batista à la droite, mais il est envoyé dans le coin, coup la corde à linge. Ils sont toujours 4, hein, c'est les 4 derniers. Randy Orton, Batista, CM Punk et Bray Wyatt avec un playmaker derrière là. Toujours Bray Wyatt face à CM Punk. D'accord, ça n'a rien touché. Hop. Super. Randy Orton, oui, Bray Wyatt qui s'attaque maintenant. Randy Orton, fallait pas le frapper. Snap, suplex. J'ai l'impression que les trois, ils sont contre Randy Orton. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, Batista face à Bray Wyatt. On envoie Randy Orton de l'autre côté des cordes. Attention, Randy Orton. Randy Orton qui commence à perdre un petit peu le fil. Shoulder block de Randy Orton. Oh, la manchette. Attention, la suplex. La souplex. Batista est toujours là. Randy Orton et CM Punk sont assez fatigués. Bray Wyatt va essayer d'éliminer Batista. Regardez-moi ça, la fatigue de Randy Orton. C'est pas étonnant en même temps. La droite de CM Punk. CM Punk qui envoie Randy Orton. Ou alors, attention, là je pense que c'est pas loin de la fin pour Randy Orton. Randy Orton, faut qu'il tienne face à CM Punk. Même si c'est des. Oh, attention! Non, il n'est pas éliminé. Batista qui essaie d'éliminer, justement. Bray Wyatt. CM Punk. Northern Light. Suplex. Ouh, le shoulder block. Bray Wyatt est toujours là. Et ça tient. Ça tient dans les 4 derniers. Attention, CM Punk. Il est envoyé. Le surpassement.
Randy Orton sur la troisième corde. Randy Orton, il s'est fait choper par CM Punk. Il est sur les épaules. GTS, go to sleep sur Randy Orton. Et là, à mon avis, Randy Orton, c'est terminé pour toi. Je suis désolé. Dans un light suplex. C'est Batista, Bray Wyatt, Batista. À chaque fois, ça change. Attention, Batista. Batista à la droite. Batista éliminé par Bray Wyatt. Qui s'attaque directement à CM Punk. Encore une droite. Randy Orton est complètement détruit là après ce GTS. Il se relève. Ah non, bon. Coup de pied sur Bray Wyatt, la droite, la manchette dans le cou là, dans la glotte. Et Bray Wyatt qui pourrait se faire éliminer maintenant par CM Punk. Imaginez, Randy Orton est là depuis un moment, il s'est pris plein de coups par CM Punk. Et CM Punk est éliminé, non c'est bon, il n'est pas éliminé. Et voilà les trois derniers, Randy Orton rétro face à Bray Wyatt, face à CM Punk. Lequel des trois ira donner la victoire à son propriétaire, si je puis dire. Et le Russian Leg Sweep juste après le Pump and Down Slam sur CM Punk, pardon. Coup de pied, non, même pas. Un coup de pied qui ne passe pas non plus. Celui-là, il passe. Mais CM Punk est là. Et Bray Wyatt aussi, regardez, des droites dans l'abdomen sur Randy Orton. Qui souffre un petit peu beaucoup. À droite, on envoie Randy Orton, pleine puissance. Oh, le Swinging Neck Breaker, magnifique prise combinée hein, en tag team. CM Punk qui s'attaque maintenant à Bray Wyatt qui est envoyé, de force de l'autre côté des cordes. Et CM Punk qui pourrait produire l'exploit d'éliminer Bray Wyatt d'un coup comme ça, tandis que Randy Orton tente de se relever. Et non, il s'est pas relevé. Et on envoie CM Punk. Oh, et Bray Wyatt qui l'a attrapé, du coup c'est Randy Orton et Bray Wyatt, le double DDT. Et le coup de la corde à linge sur Bray Wyatt. Mon dieu. Randy Orton qui relève Bray Wyatt. Et encore le playmaker là. Playmaker. Allez, les deux hommes sont complètement crevés. Ouf, la droite. CM Punk qui envoie Randy Orton de l'autre côté des cordes. Il va essayer d'éliminer. Tout comme Bray Wyatt. Et non, boum, éliminé Randy Orton. J'ai essayé d'utiliser le finisher que j'avais, ça marchait pas, donc voilà. Et les deux derniers, Bray Wyatt face à CM Punk, je ne contrôle plus rien. Et quel face à face, hein, quel face à face. Qu'est-ce qui se passe? Il est un petit peu fatigué peut-être, je sais pas. Front face lock de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui envoie CM Punk dans le coin. Ça serait dommage, juste éliminé par le coin. Et je pense que ça va se faire parce que ça se voit, hein, les choses comme ça. Quand ça va mal se passer, ça se voit. CM Punk a été déséquilibré. Pourtant, Bray Wyatt a pratiquement 3 finishers. CM Punk, coup de coude, il est là. The best in the world. Qui envoie justement Bray Wyatt. Oula, ça va peut-être faire l'inverse. Ça sera tout aussi moche. Non, il est repoussé. Et il veut vraiment l'éliminer par le coin, CM Punk. Et de l'autre sens. Attention, il est déséquilibré. Ça va être très moche. C'est pas grave. Bray Wyatt, coup de coude de Bray Wyatt. Il est là, Bray Wyatt. Il est là. Non, il est pas là. En fait, il a envoyé par-dessus la troisième corde. Mais il s'est raccroché, heureusement pour lui. Et CM Punk, maintenant, qui va tenter d'éliminer. Il essaie de le pousser. Finalement, ça ne peut pas être évident. Surtout Bray Wyatt, shoulder block. Alors, c'est à toi, à moi. Je t'envoie, tu m'envoies. Je pense que c'est ça. Oh, attention, Bray Wyatt, il est déséquilibré. Et là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais pour Bray Wyatt. C'est très, très mauvais pour Bray Wyatt. Attention, il perd l'équilibre. The best in the world, CM Punk. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, Bray Wyatt. Il tient bon, il tient toujours. Et il revient. Il est clairement là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retourné, on sait pas ce qu'il fait. Bon, là, on ressent le match de l'IA. Hein. Je t'envoie et je te renvoie. C'est un peu ça le schéma. Oh, Bray Wyatt, là, c'est bon, il tient un petit peu mieux. CM Punk, il faut vraiment pousser un peu plus que ça, mais là ça passera pas. Et on envoie CM Punk. Oh, CM Punk qui revient à la manière de Tito Santana encore une fois. Et bien vu de la part de CM Punk. Front face lock. Et on renvoie encore une fois Bray Wyatt par-dessus la troisième corde. C'est n'importe quoi. Oh, attention, il lâche prise, CM Punk. Quelle tension pour les deux qui ont choisi Bray Wyatt et CM Punk. Attention Bray Wyatt, non, il est encore là, et c'est pas évident, hein. Sinon, utilisez vos finishers, c'est pas possible.
C'est Bray Wyatt. Eh ben justement, fallait que j'en parle. Bray Wyatt, le dropkick. Bray Wyatt, vainqueur de ce match. Magnifique. Enfin, magnifique, non, pas vraiment fin de match, mais bon, ça reste intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, Bray Wyatt a remporté ce match. Désolé à celui qui avait choisi CM Punk ou autre, hein. Je sais que c'est pas super d'arriver au bout, mais bon, c'est pas grave. Bravo à celui qui avait choisi Bray Wyatt. Je vais regarder. Ah oui, j'avais justement, c'est Cos Rider, j'espère que je le prononce bien. Donc félicitations, tu pourras choisir une superstar plus tard, hein, quand je ferai la vidéo exprès, dans le King of the Rumble. J'espère que j'ai apprécié ce Rumble. On se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, proposez vos superstars et salut à tous. Allez, salut.